Ah oui, bon, nous. Mais je vous ai dit, lui, il supporte trop bien le. Le piquant. Tu as fait des muscles. Parce que j'ai froissé les bras, non. Ah. C'est gonflé comme la vidéo. Et il est costaud. Abandonne, c'est mon dernier. Quel pays. Oh, dame d'abord. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Poisson braisé pique plus que ça. Je te dis alors. Les nouilles super pimentées, ouais. Sa mère. Du coup, on les a achetés. On va rentrer faire le challenge. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la team DL. Moi c'est Dalia, si vous ne me connaissez pas encore. Et moi c'est la maladie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le comprendre par le titre de cette vidéo, ce sera un challenge. Ce sera exactement, le noodle challenge. Spicy. Alors on va vous montrer. Celui-là. Et comme vous avez pu le voir, il est écrit que c'est deux fois spicy. Tout simplement parce que bah, nous de base, surtout lui, il mange beaucoup de piment. Mais quand je vous dis beaucoup de piment, c'est pas qu'un peu, c'est genre énormément de piment. Mmh. Donc franchement, je me suis dit, si je prends le spicy normal, vas-y, il va rien sentir, tu vois. Et même moi, je doute que ça me fasse quelque chose, mais on peut être agréablement surpris. Donc on s'est dit, pourquoi pas le faire. Hein? Exactement. On verra si les Chinois, ils sont aussi. Ils mangent relevé comme nous. Je te jure, franchement, j'ai hâte. Donc on commence. Ah, une petite précision. Bon, en fait, on va pas juste faire ce challenge là. On va aussi, en même temps, à côté de ça, faire un petit jeu sur les capitales du monde. Il y a un timer pour répondre à les temps impartis. Donc, en gros, ils vont nous demander quelle est la capitale genre de la France. Et ils vont mettre plusieurs réponses. Et nous, on va devoir cliquer sur un ou deux. Et tout. Donc, on va commencer le challenge. On a pris du lait à côté. On va refaire le jeu là, je pense. Non, quel jeu? Ah, deux, trois. Si vous savez pas de quelle vidéo. Ça, ils vont voir la vidéo, ils vont voir la vidéo. Si vous savez pas de quelle vidéo il parle, je vais vous la mettre juste ici. C'est cette vidéo qu'on a faite. Bon, je tiens juste à préciser que là on a faim tous les deux, on a rien mangé depuis le matin, mais vraiment rien mangé, j'ai super faim. On s'est préservé. On s'est préservé pour ça, donc il y a intérêt que ce soit bon et que ce soit quelque chose d'appétissant parce que sinon bah on est foutu. Mais qui joue? Mais qui joue en premier, c'est ça la question, donc on fait 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ah merde. Au truc. Le caillou il tue les ciseaux. Bon, toi tu commences. Donc je commence à jouer. Bon, on commence à manger tous les deux. Attends. Déjà on fait la prière. Bien sûr. Merci. On prie à haute voix. Bah non, mais dans la tête, voilà. Ok. Bon appétit. Bon. Commencez. Non. Oh. Ça arrache. Quelle est la capitale du Sénégal? Dakar. Quel pays a comme capitale Ottawa? Eh ben c'est le Canada les gars. Là moi j'aime ça, je dois pas t'arrêter sinon c'est trop facile. Mama. Quel pays a comme capitale Prague? Prague. Bon, oh merde. Bizarre. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Elle pique même pas, elle pique quoi? Quel pays a comme capitale New Delhi? Le Népal, l'Inde. Yes. En fait, je vous explique, il y a plusieurs questions. Attendez, je vais vous le mettre. Quelle est la capitale de la Corée du Nord? Tokyo. Un autre truc. C'est quoi ça? Chongnam. Moi, je sais. C'est où là? Mais non, c'est Chongnam. C'était Chongnam. Non, mais je suis sûr que tu manges pas. C'est pas possible. Je mange pas. C'est la capitale de la Belgique, Bruxelles. Mais je vous ai dit, lui, il supporte trop bien le piquant. Quel pays a comme capitale pas Ramari Gribou? Ah, j'ai pas assez de temps. Quelle est la capitale? Ils sont faciles, c'est normal aussi que tu arrives à faire en fait. Quelle est la capitale de la Turquie? Tu crois c'est moi qui choisis? Istanbul. C'est Ankara, c'est pas Istanbul. Quelle est la capitale de l'Irak? Damas, on va là, Damas. Mais non, c'est Bagdad. C'est Bagdad. Ils ont dit Damas, BFM Nord. Damas. Quel pays a comme capitale le Cap, l'Afrique du Sud? Attends, je me pose. Tu sais quoi? Tu ne dois pas manger assez vite. Et tu sais que tu n'as pas le droit de boire de l'entretemps et ça à la fin. Ne pique pas, mon frère, ça. Vas-y, tu sais quoi? Tu vas me dire mes questions. La coronavirus. Parce que je vois rien là. Je ne peux pas garder mes lunettes. Remets play, s'il te plaît. Attends. La coronavirus, dehors. Ah, je peux pas. Va te faire du cinéma, s'il te plaît. Je promets, j'habite. A dormi, ne pique pas. Quelle est la capitale de l'Égypte? Le Caire. Quel pays a comme capitale Tampain? Mes lèvres. Tu penses que c'est Taïwan? Ah. Ah. Ah.
Quelle est la capitale d'Israël? Mais toi, on dirait que tu fais ta vie normale là. Jérusalem, quel pays a comme capitale Montevideo? L'Uruguay, le Paraguay, le Suriname, la Bolivie. Bah non, tout à l'heure, la Bolivie, ça c'était pas ça. Ah, quelle est la capitale de la Jamaïque? Toi aussi, tu fais. Mais non, parce que j'ai la vessèche, c'est tout. Kingston? Mais non, parce que j'ai la vessèche, c'est espèce de menteur, va. Vas-y, mange! Quelle est la capitale du Danemark? Amsterdam, Copenhague, Helsinki, Bruxelles. Et Copenhague! Quel pays a comme capitale Damas? Tout à l'heure, tu l'as dit. Le Liban, je crois. C'était la Syrie! T'as pas parlé de Damas, quelque chose, toi? Mmh. Tu m'as perturbé. En vrai, c'est grave. Bon, si c'était pas aussi pimenté, ce serait super. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo. Non, je peux pas boire l'eau. Ah, maintenant ça commence à piquer. Hein. Pas pourquoi. Quel pays a pour capitale Stockholm? Stockholm, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède. Je sais pas. La Finlande? Mais non, c'est la Suède. Mais pourquoi tu m'as pas dit? On sait pas, wesh. Bizarre, toi. Quelle est la capitale du Brésil? Tu parles trop. Par contre, là, j'ai un doute là. De Janeiro. Mais non, c'est un peu économique ça. Sao Paulo, moi, j'ai pas dit. Brasilia. T'avais dit Sao Paulo aussi. Brasilia. Quel pays a pour capitale Nairobi? Le Kenya, la Somalie, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya. Le Kenya. Joue! Quel pays a comme capitale Bangkok? La Thaïlande, la Birmanie, l'Indonésie, la Malaisie. Quel pays a la capitale de la Serbie? Budapest, Belgrade, Bagdad, Bratislava. Quoi? Budapest, je crois. Mais non, c'est Belgrade. T'es un peu nul, hein? Quel pays a comme capitale Santiago? Le Paraguay, la Bolivie, le Chili, le Pérou. Santiago, le Paraguay. Non, c'était le Chili. Quelle est la capitale de l'Afghanistan? Kaboul. Bagdad. N'importe quoi, Bagdad c'est... C'est où? Vas-y, tu bavardes. Quel pays a comme capitale Brazzaville? Bah le Congo, la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Tanzanie. Le Congo. Abandonne, c'est bon, j'ai Quel pays a comme capitale Islamabad? Quoi? Pakistan. Kaboul, bois l'eau. Va chier. T'es quoi, tu veux me tuer? Quelle est la capitale de la Macédonie? Wanda. Quel pays a pour capitale Antananarivo? La Birmanie, Madagascar. Réponse. Ah, j'en peux plus. Il a dit que la diva chier. Il a dit pas chier. En fait, le rose c'est quoi? En fait, pas que ça pique. En fait, en même temps, c'est chaud. Tu pleures. Mais c'est. Elle fait quoi? Donne-moi le lait là-bas. T'as pas dit ta langue, tu voulais pas mon lait. Peut-être que tu pleures. Laisse mon lait. Laisse mon lait. N'aime pas ça. On boit ça. Maman. Dame d'abord. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait. Maman. Tout à l'heure, j'ai voulu lui servir du lait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Regardez comment je pleure. Ça, c'est parce que ça pique en fait. Et ça me fait pleurer même. En fait, ça va. Non, ça va pas. C'est parce que tu viens de boire du lait que ça va. Non, ça va. C'est parce que tu viens de boire du lait. Déjà, essayez, hein. C'est pas si piquant ça en fait. C'est piquant de ouf. Essayez pas, c'est un malade. Poisson braisé pique plus que ça. Je t'ai dit alors. Gars, quand tu bois le lait, tu peux parler. Le pique plus que ça. Là, maintenant, je suis en train de parler parce que j'ai bu le lait. Et alors? Ah non, c'était trop. Ah non, c'était trop. Ah non, moi, j'en peux plus. Moi, c'est bon, j'en veux plus. Hein. C'est bon. Tu peux commander Uber Eats. En fait, c'est bon, mais en fait, à la longue, en fait, c'est désagréable. En fait, c'est archi. Pour manger, en fait, il faut se faire plaisir, en fait. En fait, si on enlève le piquant, c'est super. Mais non, je pense que si on enlève le piquant, je vois, il n'y a pas de goût. Ah non, mais bon, si on achète la même chose, mais moins piquant. Ouais, mais si on enlève la même chose, moins piquant. Sinon, on a pris vraiment le spicy x2 en fait. Parce que, en vrai, si on aurait pris moins, on n'aurait pas senti. Parce que tellement, on a beaucoup moins. Ah, j'en peux plus. Ah non, c'est mort, je peux plus manger là. Mais c'est chaud, man. Coronavirus. Maintenant, tu sens ça? C'est chaud, man. En fait, ça s'arrête. Vraiment, le lait, en fait, sans sucre, en fait, il est bon. Mais c'est parce que là, ça pique. C'est chaud, en fait, c'est pour ça. Donne-moi, c'est pas de ma faute si t'as chaud, t'as pas dit d'ailleurs que. Ok, avoue maintenant que c'est piquant. Avoue que ça pique sa mère. En fait, c'est piquant parce qu'en fait, parce que quand je t'arrête, en fait, là, c'est piquant. Si, t'avoues pas. Oh, c'est piquant. Dès que c'est piquant. Oh, et que t'assumes pas. Je bois l'eau, c'est pas grave. Bois l'eau, frère. On va voir si ça donne le même effet. Bon, on va vous montrer nos plats parce que pour vous montrer qu'on n'a pas du tout tout mangé. Franchement, on va s'arrêter là parce que ça sert à rien, tu vois. Donc, du coup, on s'arrête là parce que franchement, j'assume. Ouais, franchement, les gars, c'est chaud. Ça sert à rien. En fait, en mange, en fait, c'est pas piquant. Mais quand je t'arrête là,
Oh là, le piment, il remonte d'une manière. En fait, ça, c'est pour lui, tu vois, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est quand je mangeais, en fait, parce que ça touchait mes lèvres et tout, et je sentais que. Même là, je vous parle, ça pique encore, en fait. Et du coup, franchement. Non, franchement, c'est piquant. Franchement, c'est piquant. Le foie d'œuf, en fait, il est piquant. Prenez le normal. Si on voulait juste manger, on vous le conseille de prendre juste pour manger, prenez le normal. Et donc voilà, moi, je vais vous laisser parce que franchement, j'arrive plus là. C'est trop. Du coup, voilà, ça, c'est la fin de la vidéo parce que j'en peux plus. J'arrive pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça a été drôle un peu pour vous, mais pour nous, ça. Pas du tout. Et t'es drôle. Franchement. En plus, on a perdu. En plus, on vous a pas dit, mais on a perdu. On a perdu. On est arrivé 11ème sur 14ème, pour vous dire. Ouais. Donc, on a eu 19 sur 40. Donc, vraiment, on était vraiment très très nul. Ouais. Parce qu'on était tellement concentrés sur le fait que ça pique, on n'arrivait pas en fait. Tu vois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous aimez ce genre de vidéo là. Et dites-nous dans les commentaires si le duo DL, vous aimez tant que nous. Donc, dites-nous si vous aussi, vous aimez bien ce duo et on continuera à vous amuser. À vous divertir comme on peut. C'est exactement ce qu'il a dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo. En fait, le plus important, c'est vraiment liker de ouf et partager sur vos comptes Instagram, Snapchat, etc. etc. Likez, abonnez-vous et surtout commentez, dites-nous si vous avez kiffé la vidéo, si ça vous a fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Exactement. Donc, je vous laisse. Bonne journée sur vous, les gars, et on va ensemble. Salut tout le monde. Pour moi, je suis off.